simple parcelle de vie. Entends ma petite voix. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 je suis là. Sur la terre, tout en bas. Dans le ciel et les étoiles, la planète où je suis née, file comme un vaisseau spatial dans la grande immensité. Coucou, 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 je suis là. Mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 écoute-moi. Écoute cette histoire-là. Colline, t'entends? Oui, on dirait qu'il y a quelque chose qui fuit. T'as bien refermé le robinet du lavabo, moi? Oh, dis donc, Gaston, si ça se trouve, c'est toi qui n'as pas bien serré celui de la baignoire. Oh, avec toi, c'est toujours moi! Oh, t'exagères, hein? Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Wouah! On est dans un lavabo géant! Et en plus, regarde! On flotte sur une savonnette grosse comme une baleine! Youpi! Hé! Hey, vous savez quoi, les enfants? Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Allez, c'est parti! On s'envole! Mais ma parole, on est dans les égouts? Oui, parfaitement. C'est là que se retrouvent toutes les évacuations d'eau de la ville. Ça sent pas très bon ici. Un monstre! T'inquiète pas, Gaston. C'est seulement de l'eau. Et elle est malheureuse d'être sale. Tenez bon! Ça va dégager! Yahoo! Le premier fil! Dans un endroit plus calme. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt. Vous êtes ici dans une station d'épuration. C'est ici que les eaux salies sont nettoyées avant de retourner à la rivière. L'eau commence sa lente épuration. Dans ce premier bassin, les matières plus ou moins lourdes se déposent au fond. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle la décantation. Et elle est propre maintenant? Non, non, ça ne suffit pas. Allons plus loin. Vous venez? Dans ce nouveau bassin, l'eau subit un traitement biologique pour continuer son nettoyage. Mais c'est quoi un traitement biologique? Eh bien, après la décantation, il reste encore des impuretés dans l'eau. Alors, on lui envoie des bactéries. Les bactéries, ce sont de minuscules êtres vivants qui digèrent les petites particules de saleté dissoutes dans l'eau. Ça bouge à tout! Et regarde! Les bactéries ont dévoré notre savonnette! On va devoir continuer à la nage. Voilà, le plus dur est fait. La station a presque complètement épuré l'eau. Et les herbes et le soleil continueront le travail. Mais il restera toujours une partie de la pollution qui retourne à la rivière. C'est pourquoi moins on salira l'eau, et plus ça sera facile de la nettoyer. Foie d'araignée. Quand on jette de l'eau salie au fond des égouts, elle ne doit pas aller comme ça jusqu'au bout. Avant qu'elle retourne dans une rivière, il faut la nettoyer pour la rendre claire. Plus l'eau est crasseuse, plus c'est compliqué pour lui redonner toute sa propreté. Alors c'est à nous de faire attention à ne pas rajouter trop de pollution. Quand on jette de l'eau salie au fond des égouts, elle ne doit pas aller comme ça jusqu'au bout. Quand on jette de l'eau salie au fond des égouts,